Des mois que je n'ai pas de nouvelles. Normalement, vous deviez me tenir informée. Oh. M-U-N-O-Z, Munoz. Oui, son prénom, c'est Adrian. Ça fera 3 ans au mois de mars. Est-ce qu'au moins, il serait possible de parler à l'inspecteur Foster? Oh. Je vois, merci. Oui, Gloria Munoz. Il a mon numéro. Bonjour, Madame Munoz. Je m'appelle Satori. Vous vous souvenez de moi? Oui. La police a fait appel à vous quand mon fils a disparu. Oui. Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas vous ennuyer, mais... Adrian ne quitte pas mes pensées ces derniers temps. Alors je me demandais si toutefois vous aviez de nouveau ou encore si la police vous avait... Je n'ai pas la moindre nouvelle d'elle depuis des mois. Je crains qu'elle n'ait laissé tomber. Je suis sûre qu'elle n'a pas laissé tomber. Elle doit seulement se sentir frustrée comme tout un chacun. Votre sollicitude me touche, Madame Satori, mais... Seulement Satori. Écoutez, Madame Satori, je sais bien que la police estime vous devoir beaucoup dans toute cette histoire, mais... Vous devez vous demander ce que je fais là. Eh bien, je n'avais jamais rencontré, mais depuis quelque temps... Je sens votre fils autour de moi. Il m'apparaît en rêve. Il avait une forte présence, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûre de très bien comprendre. Dès qu'il entrait dans une pièce, vous le saviez. Sans même avoir besoin de le voir ou de l'entendre, vous saviez qu'il était là. Avez-vous vécu ça il n'y a pas longtemps?
Vous avez effectivement senti sa présence. N'ayez pas peur. Il ne souffre pas, il se sent bien et il ne vous veut aucun mal. C'est une habitude chez vous. De quoi est-ce que vous parlez ? D'aller voir chez elle toutes les pauvres mères éplorées et de leur donner de faux espoirs dans un seul et unique but, celui de gagner votre vie. Mais je ne vous crois pas. Alors vous boniment, gardez-les. Madame Munoz, vous devez m'écouter. L'homme qui a enlevé Adriane et tué tous les autres enfants est toujours dans la nature. Pensée positive génère des résultats positifs. La clé du bonheur, c'est la pensée positive. La pensée positive génère des résultats positifs. La clé du bonheur, c'est... Waouh. Utilisez la pensée positive pour améliorer vos relations avec vos amis. Hé! Oh, qu'est-ce que tu nous veux? C'est rien, laisse. Je le connais. Tous mes amis m'aiment bien. Ce sont tous de véritables amis. Tu connais ce type? J'essaie d'améliorer un peu l'image que j'ai de moi. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin, Warren? Toi? Qui sait? C'est peut-être toi la clé. Je ne fais que suivre les signes. Les signes? Il y en a partout. Tiens, quand je me suis réveillé ce matin, j'avais drôlement envie d'un beignet, mais comme il me faut plus de sucre, je suis allé dans un garage parce qu'il y a des pneus tout ronds, un peu comme des beignets. Et dans la poubelle des toilettes, j'ai dégoté le programme des cours. Alors je me suis dit que je ferais bien d'aller faire un tour du côté de l'université. Bon, ben moi j'y vais. À soir, Marianne. Et tu viens toujours au concert? Oui. Génial. Alors à soir. Au revoir. Ouais, au revoir. Salut les gars. C'est sympa. Alors j'ai pris le bus jusqu'au campus. Seulement, je ne savais pas quel cours tu suivrais. Jusqu'à ce que je trouve ta clé qui pointait justement dans ta direction. À quel cours est-ce que t'étais? Tu fais souvent ce genre de choses? Non. Enfin, si. C'est vraiment fou tout ce que les signes arrivent à indiquer. Mais quel concert? Des copains font un bœuf ce soir dans un club de jazz. Oh, oui, c'est super. Mais seulement, il y a une réunion de prévu ce soir chez Elmer. C'est noté. Je te ferai signe, d'accord? Si. Au revoir, Warren. Ah. Cette poupée appartenait à Lila Jeffries. La police l'a retrouvée près de son corps dans le passage souterrain où son frère et elle ont été lâchement assassinés. Chacun d'eux avait reçu 31 coups de couteau. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient dans ce tunnel? Personne ne le sait. Ils ont quitté leur chambre et sont sortis de chez eux au beau milieu de la nuit. Ils ont répondu à une sorte d'appel comme dans le joueur de flûte de Hamelin. C'est la poupée qui te l'a dit? C'est pas ce qui est arrivé à Adriane Munoz? 3 jours plus tard, Adriane Munoz a tout bonnement disparu de son école. On n'a jamais retrouvé son corps, seulement son blouson. J'ai l'impression que ces 3 meurtres sont liés. D'autant que les traces d'ADN relevées sur le blouson et celui d'un cheveu trouvé sur la poupée correspondent. Adriane fut la dernière victime. Qui sait, peut-être que l'assassin est mort, ce qui nous laisse toute latitude. J'ai senti, Adriane, j'ai senti sa présence. Il veut ou il a besoin de quelque chose. Je sais que sa mère l'a senti elle aussi, mais elle refuse d'en parler. Alors je me suis dit que l'un de vous pourrait peut-être... Marianne, on est capable. Oh, elle est là? Non, Warren. Et comment s'est-elle comportée quand il l'a emmenée à l'endroit où les Jeffries ont été tués? Elle a ressenti ses meurtres d'une façon impressionnante. Elle a peut-être fait ça pour t'impressionner? Elle est trop douce pour ressentir les choses physiquement. Est-ce que tu parles par expérience? Bien. Elmer, qu'est-ce que vous avez là? Ces derniers temps, j'éprouve de plus en plus souvent le besoin de me pencher sur mon passé. J'avais 10 ans quand j'ai eu mes premières visions. Des cauchemars. D'horribles apparitions. Des choses qui dépassent l'entendement. On était en 1927, en temps de paix. On avait tout pour être heureux. Mes parents pensaient que j'étais bon à enfermer. Moi aussi. Et puis ceux de Wall Street m'ont recruté et je me suis reconnu dans mes nouveaux amis. Ils voyaient eux aussi des choses épouvantables. Cruauté, aberration, atrocité. Et ces visions effroyables se sont précisées. Elmer a écrit au gouvernement, hein, Elmer? Ils n'ont tenu aucun compte de mes avertissements jusqu'en 39. Quand Hitler a envahi la Pologne, ceux de Bow Street ont été appelés à Washington. Et ce, toute affaire cessante. Et dernièrement, il m'arrive souvent d'avoir le même genre de prémonition. Quelque chose de terrible se profile à l'horizon. Je ne sais pas encore quoi. Mais je suis convaincu que c'est pour cette raison que nous nous sommes trouvés. En tout cas, c'est pour cette raison... Continuons à nous voir.
Bonsoir. Marc, est-ce que toi aussi tu as le même pressentiment qu'Elmer? Pas vraiment. Et toi? J'en sais trop rien. Les choses sont un peu bizarres depuis quelque temps. Tu me manques, tu sais. C'est vrai. Il manque un peu de pratique. T'as qu'à lui apprendre ce qu'il faut faire. Comment allez-vous? Se promener aux côtés d'une jolie fille par une si belle journée, je peux difficilement rêver mieux. Et si on parlait de vous, est-ce que ça va comme vous voulez? Vu que les examens approchent, il va bien falloir que tôt ou tard, je me décide à réviser sérieusement. Et ce n'est pas de ça dont je parlais. Eh bien, en fait, depuis que je n'habite plus le campus, j'essaie de me faire de nouveaux amis parce que ceux que je connaissais avant sont tous aux petits soins pour moi, comme s'ils avaient peur que je leur claque brusquement entre les doigts. En plus de ça, toutes les semaines, je suis tenue d'aller voir un psy. Un psy? Oui, c'est ce que l'université exige des élèves qui ont fait une overdose ou une tentative de suicide. Vous ne leur avez pas dit que vous étiez entrée en contact avec Diane Stillman? Pour qu'ils pensent que je suis vraiment dingue. Il vaut mieux éviter de fréquenter les membres de la profession psychiatrique. Ils sont trop préoccupés par le sexe. Sans doute. J'ai failli perdre un œil quand j'ai dit ça à ce bon vieux Freud. Sigmund Freud? Hey, à l'époque, j'étais un jeune homme imbu de lui-même. En donnait une série de conférences en Europe. Il m'a lancé son stylo en me traitant tous les noms. Vous plaisantez? Non, je l'ai même reçu là. Il faut dire aussi que j'étais plutôt jungien. N'empêche que ça fait du bien de pouvoir parler de ses problèmes avec quelqu'un, même si je suis obligée de le payer pour ça. Hé, hey, viens là, toi. Il est trop, ce chien. C'est rien de le dire. Vous savez ce que cela représente? Un cercle barré, c'est le symbole du néant. Est-ce que vous avez vu ce signe quelque part, ces derniers temps? Peut-être dans vos rêves? Non, à part en cours de maths. Satori a besoin de vous, Marianne. Elle travaille de nouveau sur la mort de ses enfants. Dans le
tunnel, j'ai pas réussi à le supporter, c'était trop intense. Vous avez beaucoup progressé, vous êtes même devenue adroite. C'est vrai ? Plus que vous ne croyez. Quand je vous ai offert de vous éduquer, je pensais avoir suffisamment de temps, mais je n'en suis plus aussi sûr. Vous pourriez être confronté à des choses auxquelles je ne pourrais pas vous préparer. Vous serez testé au-delà de toute limite. Nous avons besoin de vous, et pas seulement moi, les autres aussi. Toujours le répondeur. Je crois pas qu'elle soit là. Je sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça. Je te demande seulement de tourner 5 minutes autour de la maison histoire de voir si tu captes des vibrations. Des vibrations ? Faut que tu te fies à ton intuition. Faut que tu laisses les choses venir à toi au lieu de les combattre. L'autre jour, j'ai senti une grande énergie autour de cette fenêtre-là, au premier étage. Et si cette femme me surprend ? Dis-lui que tu viens relever le compteur électrique. Pour ça, il faudrait que j'aie un badge ou bien un uniforme. Oh, j'ai été nulle. Tu trouveras une excuse. Faites-la. Bonjour, je m'appelle Marianne. Je ne voulais pas avoir l'air indiscret, mais il se trouve que j'ai grandi dans cette maison. Oui, j'y ai vécu toute mon enfance, alors comme aujourd'hui je suis de passage en ville, et puis maman m'avait demandé si jamais je passais dans le coin de venir voir ce qu'elle était devenue. Excusez-moi, mais est-ce que il me serait possible, sans trop vous déranger, de voir l'intérieur? D'accord. La porte de devant. Ça a été génial. Vous trouvez du changement? Ah oui, c'était peint d'une autre couleur et on avait mis la télé dans ce coin-là. C'est mon fils, Adrian. C'est un beau petit garçon. Il détestait qu'on le prenne en photo. Il refusait tout net de regarder l'appareil. Au moindre flash, il se sauvait comme un lapin. Mon mari a dû ruser comme un fou pour réussir à faire ce cliché. J'étais exactement pareille. Maman dit qu'elle avait l'impression d'être une photographe du National Geographic en train de... Oh, il avait vraiment des yeux incroyables. Malheureusement, sur cette photo, on ne s'en rend pas compte. Oh si, au contraire. Ils sont magnifiques. Déjà, quand il était tout bébé, quand je me plongeais dans son regard, j'y voyais tout un univers bien à lui. Est-ce que vous permettez que je monte ? Non, j'aimerais mieux que vous évitiez cette pièce. Ah, c'est dommage parce que c'était ma chambre. Bon, d'accord, mais ne touchez à rien, s'il vous plaît. Bien sûr. À tout de suite. Excusez-moi, je n'ai... Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend ? Qu'est-ce que vous me voulez, vous et votre ami ? Qu'est-ce qui vous autorise à entrer chez moi comme ça ? Marianne, ça va ? T'as pas trop mal ? Pourquoi t'insister pour que je vienne ici ? Qu'est-ce que tu complotes au juste avec elle ? Attends !
On t'a jamais dit qu'il ne fallait pas jouer avec du verre cassé? Non, sérieusement, tu n'aurais jamais dû les laisser t'entraîner là-dedans. Surtout après ce qui s'est passé dans le tunnel. Je sais, mais c'est Elmer qui a raison. Quand on a un don susceptible d'aider des gens dans le besoin, il serait assez injuste de ne pas s'en servir pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, seulement, je ne tiens pas à ce qu'il t'arrive quelque chose. On a déjà failli te perdre une fois. Ce que tu as vu, c'était peut-être... Oups! Dit-elle, une certaine gêne dans la voix. Les coupures ne sont pas très profondes. Elles ne devraient pas laisser de cicatrices. Merci, Marc. Qu'est-ce que tu disais, Satori? Peut-être que tu es intervenu au moment précis où Adrian est mort. Le mot « end », ça veut dire « fin » en anglais. Je ne suis pas sûre de ce que j'ai vu. En revanche, j'ai entendu un bruit de machine et une corne de brume. Il se peut qu'Adrian veuille nous conduire où se trouve son corps. Bon, il faut que j'aille finir mes visites. C'est bien de me l'avoir amené. Je n'en doute pas. Je peux te poser une question à propos de Marc et moi? C'est pas tout à fait ça. Il te trouve à son goût. Je ne crois pas, non. Il est seulement gentil avec tout le monde. Tu sais que tu mens très mal. Allez, viens. Il t'a raconté comment il a sauvé la vie de son chien? Mm-hmm. Alors, tu lui plais beaucoup. T'es cancer, toi, n'est-ce pas? Ça va de soi. Mais est-ce que tous les deux, vous êtes... Tu as déjà deviné ce que je vais te demander? Si on appelle ça une relation, c'est quelqu'un doué d'empathie. Et lui, c'est que c'est pas réciproque. Le fait est qu'il est capable de sentir ce que toi, tu ressens. Mais c'est dur de savoir ce qu'il a dans la tête. Des fois, je me demande même s'il ressent quelque chose. À ce point-là? Oui, et puis pour une femme, c'est un tantinet frustrant qu'un homme soit au courant de ce qu'elle éprouve. Où va l'amour sans sa part de mystère? Et c'est tout? Si tu veux tout savoir, de drôles de choses nous arrivent quand on s'enlace. Du genre coupure de courant dans l'immeuble. L'autre jour, j'en ai eu une dans tout le quartier. Il y a aussi la fois où mon réveil a explosé. Et celle où on s'est retrouvés avec des dizaines de moineaux volant dans toute la pièce. Ça, je te l'accorde, c'est très bizarre. Oui, hein? Surtout quand les fenêtres sont fermées. J'étais à mon cours sur l'art malgache et à mon cours d'histoire. J'aimerais savoir, est-ce que tu as prévu d'assister à tous mes cours? Non, si t'as pas envie que je le fasse. Ah, c'est pas ça, je me disais seulement que tu devais avoir mieux à faire. AM. Adrian Munoz. Bien sûr, le petit garçon, moi non plus, j'arrête pas de penser à lui. Comment est-ce que tu sais que je peux penser? Les signes. Oui, tu as raison, je n'arrête pas de penser à lui. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Adrian. Très peu de choses. Par exemple, quel âge il avait quand il a disparu? Il avait 7 ans et ça fait 3 ans qu'on est sans nouvelles. 7 et 3. Il avait tout un tas de jouets dans sa chambre. De quelle couleur est le papier peint? De couleur turquoise, je crois. Turquoise. Bleu vert. Munoz. Munoz. Oz. Oz, Yo-Yoz, le magicien. Non, c'est trop évident. De l'oseille, ça se dépense. Mm-hmm. Eh oui, c'est ça. Il est délicieux, ce café. Et maintenant? Il y a des signes partout. Il suffit de savoir lequel il faut décider de suivre. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Voiture bleue et les plaques indiquent que le propriétaire n'est pas d'ici. Non, les chiffres sur la plaque. 73. 7 et 3, ça correspond. Il avait 7 ans il y a 3 ans. Ça nous fait 10. Une voiture bleue, une voiture. Une voiture. Nous avons une voiture. Et je... Ça y est. Il y a un garage qui doit se trouver... À 10 pas de cette maison. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. Voilà revenu à notre point de départ. Il y a des fois où ça marche et des fois où ça marche pas. Merci d'avoir essayé, Warren. C'est vraiment très gentil. Seulement, je suis peut-être pas... Assez dingue. Si on peut dire. Elles ont l'air si heureux.
c'est la même typo que dans la vitre. Je l'ai vu à travers ses yeux. Il regardait cette affiche, enfin, pas celle-là, mais une qui lui ressemblait. Ça veut dire qu'Adriane est toujours en vie. Oh, merci. Merci, Warren. Juste Androco ou Androco. Une société hollandaise. Elle vient de lancer une énorme campagne de pub dans tout le pays. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Oh, ça, j'en sais rien du tout. La seule adresse que j'ai pu trouver, c'est celle de cet entrepôt. C'est vraiment sympa de m'avoir accompagnée. Oh, c'est normal, le quartier n'est pas très reluisant. J'aurais peut-être dû te demander aux autres. Pourquoi ? Est-ce que je te mets mal à l'aise ? Que tu vas chercher. Je plaisantais. Il n'y a personne. Tu entends ce bruit ? Non. C'est le bruit que j'ai entendu dans sa chambre. Admettons qu'il soit dans ce bâtiment, qu'il regarde par une de ses fenêtres. Il devrait voir exactement ce que j'ai vu. Propriété privée. L'usine est fermée. Et c'est dangereux. Au revoir, Wood. Au revoir. Regarde, Marianne. Où est la pancarte ? Pourtant, il y en avait une tout à l'heure. Non, on a cru en voir une. On s'est fourvoyé. Mais qu'est-ce que tu espérais trouver par ici ? C'est rien. Pour l'instant, je fais comme fait à mon intuition. Mais ça n'a aucun sens. Je me demande même si toutes ces élucubrations ont le moindre sens. Tu ne disais pas ça il y a encore une demi-heure. Mais c'était avant que tu m'entraînes dans ce coin perdu. Une chance qu'on ne nous ait pas fauché la voiture. Qu'est-ce que tu as ? J'en sais rien. Ce qu'il y a, c'est que je ne me sens pas très bien, alors allons-nous-en d'ici. D'accord. Marc, regarde ces fenêtres. Pourquoi ? Regarde-les. Oh, j'en ai pas envie. Dis plutôt que tu ne peux pas, moi non plus d'ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr qu'on peut. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une force là-bas. Est-ce que tu la sens ? Je n'ai... Ah non, j'ai la migraine. C'est à peine si je vois quelque chose. Oh mon Dieu, tu saignes du nez. Je vais aller voir. Il n'y a rien à voir. Il faut que j'y aille. Adriane. Marc ! Tu sais que tu as du courage. La plupart des gens ne regardent pas deux fois. Ne perdez pas votre temps à lui poser des questions, il ne parle pas. Oh. Quoi ? Je suis là depuis le début. Seulement, vous ne me voyez pas. J'ai fait en sorte que non. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Rien du tout. Je ne lui veux aucun mal. Vous l'avez gardé prisonnier ici. Prisonnier ? Non. Il n'est pas prisonnier. Lui est élève. Et moi, son serviteur. Pourquoi vous a-t-il fait venir ? Ce n'est pas moi qui l'a appelé. Il voulait attirer l'attention de sa mère. Oui, c'est encore un enfant. Il est normal que sa mère lui manque de temps en temps. Vous voyez, son esprit aime à voyager. Dans son sommeil, il lui arrive même d'aller s'amuser chez lui, dans sa chambre.
Marc. Regardez encore. C'est la peur. La peur est le meilleur catalyseur. Vous étiez déjà en train d'imaginer le pire. Si je vous avais rencontré avec vos amis, nous aurions pu nous apporter beaucoup les uns aux autres. Mais il est trop tard maintenant. Vous êtes mort ? Et c'est pas un endroit pour dormir. Le soir, on ferme à 7h30. Où est Marianne ? On rouvre à 6h demain matin. Vous n'aurez qu'à revenir. Il peut faire ça toute la journée. Il a besoin de s'entraîner. Et plus il s'entraîne, plus il devient performant. C'est ça que vous lui apprenez ici ? Non. Il le considérait comme mentalement handicapé, mais son esprit est 100 fois plus fort qu'il ne l'imagine. Il n'a pas peur de celui qui n'a pas de nom. Il apprend à utiliser ses pouvoirs. Celui qui n'a pas de nom ? Oui. Vous l'avez vu. Et il vous voit. Il suffit de vous regarder pour en être sûr. Mais qu'est-ce que c'est ? Si on pouvait arriver à dire ce que c'est, on pourrait alors lui donner un nom, n'est-ce pas ? Donner un nom à quelque chose, ça rassure. Ça nous préserve de la peur. Et nous pousse à la faiblesse. Cette chose, on ne peut pas lui donner un nom. Personne ne peut. Le petit le sait bien. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Il n'ouvre jamais la bouche. Et les deux autres enfants, le frère et la sœur, est-ce que c'est cette chose qui n'a pas de nom qui vous a demandé de les tuer ? Eux, ils ne convenaient pas. Ils avaient le don, ils avaient même beaucoup de capacités, c'est ce qui m'a attiré vers eux. Mais quand je les ai regardés dans les yeux, je n'y ai vu que leur peur. Vous n'étiez pas obligé de les tuer. J'ai aimé ces enfants. Quand je leur ai ôté la vie, je leur ai également pris tout ce qu'ils pouvaient avoir de mieux. Leur don est devenu le mien. En fait, on peut même dire qu'ils sont toujours en vie. Au fond de moi. Mais Adrian, c'est celui que j'attendais. Tu te sens peu à peu pénétré de chaleur et de lumière. Tu es en sécurité. Où que tu aies pu aller. Quoi que tu aies vu, tu peux t'en souvenir en toute quiétude. Tu peux te rappeler maintenant, Marc. Tu es en sécurité. Il fait un blocage, il ne peut pas répondre. Quelqu'un s'est emparé de son esprit. Bats-toi, Marc. Tu es fort, bats-toi. Marianne, dis-nous où elle est. Il faut qu'on la retrouve. Gloria, je m'appelle Elmer Grindry. Est-ce que vous vous rendez compte de l'heure qu'il est ? Vous devez nous accompagner, c'est au sujet d'Adrian. Mon Dieu. Vous avez retrouvé mon fils, c'est ça ? Est-ce qu'il est... Si vous l'aimez, suivez-moi sans poser de questions. Je vous le promets, il y a un espoir. Combien de temps vais-je rester prisonnière ? Il y a une porte derrière vous. Mais vous ne l'aviez sans doute pas remarqué. Adrian. Je t'en prie, Adrian, viens avec moi. Il faut que tu viennes avec moi. Pourquoi voudrait-il vous suivre ? Il a tout ce qu'il vous faut ici. Je t'en prie, Adrian, viens. Adrian,
ton apprentissage est pratiquement terminé. Non, non! S'il vous plaît, non, ne le tuez pas. Il existe des liens très forts entre nous et ces liens dépassent largement votre compréhension. À moi, alors tu m'obéis. Tu ne dois obéir qu'à moi. Est-ce que ça va? Oh, Adriana, mon chéri. Oh, oh mon chéri, tu es vivant, tu es vivant. Oh. Je vais appeler une ambulance. Vous savez qui il est, celui qui n'a pas de nom. Vous savez qu'il sera bientôt là. Nous lui barrons le chemin. J'ai jamais cru qu'un jour je serais heureuse de voir mourir quelqu'un. Monsieur, excusez-moi. Elmer, dites-moi qu'il était fou, que cette entité qui vole les âmes n'était qu'affabulation. Il n'était pas fou, non, même si je préférerais que ce soit le cas. Il a parlé de quelqu'un qui n'a pas de nom. Vous savez ce que ça signifie? Les nommables. Ce n'est qu'un de ses nombreux noms. Merci encore.
prends un temps. Il est déjà parmi nous. Ne perdons pas de vue cet enfant.